nous-mêmes, nous camper et nous dire à clair, bataille ça. Un, nous est professeur l'école. Nous t'ai décrit mon carrefour, nous t'ai décrit mon marché, nous t'ai décrit population qui dit est-ce que tu moun pas à l'école le 21. Eh ben nous-mêmes nous prenons engagement nous. Côté nous prenons la revendiquer, nous est ça apparaît là, li tirer sur un chauffeur moto, li tirer sur l'autre monde, qui blessé, des monde qui prend balle. Ça veut dire à clair, son bataille que jodi à la police déclenche avec même population. Et bien nous disons, nous ne pas prendre la provocation, revendication, nous après été juste, nous ne pas reconnaître aucun accord. 5h50. Nous avons toujours été dans la question de sécurité, situation de kidnapping qui a augmenté chaque jour qui passait dans la société. Nous apprenons là, gagner yo employé dans OFAT marqué et bandit kidnappé vendredi passé à Nsout Matissan. Direction générale OFAT a dénoncé enlèvement en Clairvius Bethany, un employé institution que bandit kidnappé vendredi passé à Nsout Matissan. Direction générale OFAT a exigé libération sans condition employé ça qui c'est Clairvius Bethany et n'a pas rappelé qu'un dimanche passé à là, gay policier ça l'huile nord agent USGPN que bandit est kidnappé sous route Matissan, les mêmes qui c'est Moun Kafou qui fait partie 19e promotion la police non. Kidnappé au continent Absimédaï à Kala Pérez dans la population haïtienne, non? La journée ou la nuit, ka kidnappé a augmenté dans la capitale là, dans la zone voisine. Une situation qui inquiétait chaque grain de famille haïtienne. Qui conséquence phénomène kidnapping non, sur le monde qui est victime après libération? Jean-William Sévère, t'es penché sur le dossier ça, la présenté nous un reportage. Depuis quelques temps, phénomène kidnapping a retourné en force dans la région métropolitaine. Chaque jour, mon Dieu mettait information sur mon kidnappé, cap circulé dans les médias et les réseaux sociaux. Gros autobré, malheureux, professionnel, machin, simple citoyen, aucun secteur pas épané face à ce phénomène si là. À côté victime kidnapping nan, gen gwo impact sou famille victime nan ak tout communauté a ki gen information sa. C'est en tout cas avis divers spécialistes nan domaine psychologique. C'est vrai victime nan ka blessé nan kol par rapport ak maltraitance li sibi nan mère avisye yo, men blessé tout nan nom li. Après épreuve sa, la gen gros difficulté pour le dormir, la vive ak yon la Perez ki ka même rive nan vie pour tuer tête li. D'après explication psychologue Joanne refusé. Le yo ta vin libéré li. Il y a des cauchemars, c'est des cauchemars, c'est un sort d'évitement, c'est une hypervigilance, comme on a collé, il y a des réactions, c'est des problèmes de sommeil, et on peut des signes qu'il y a des troubles anxieux, ok, et des troubles de l'humeur, et sommeil, mon a li a perturbé. Donc tout ça, c'est des conséquences psychologiques que ça a gagné dans la vie, mon nan. Ça a grave toujours pour si la yo qui victime ka déjà, quand ba men bourreau yo, ve yo kon rive enceinte, et même attrape maladie, moun kon pren en fait bagay. Socialement, ça, li menace, li capable corrompre, valeur li. Est-ce que vous comprenez? Rapport li avec li même, rapport li avec l'autre monde, tout ça ka changé parce que, moun sa yo brazo ke yo touche ko yo, yo abuse yo, yo maltraite yo, le corps est souillé, m'pa vle ko sa encore. Et wap wè pasan sa yo, le plus souvent le nou recevoir yo, yo pense que c'est tuer tèt moun. Gen victime qui a abandonné travail yo, yo été loin société ya, même famille yo. Li ka impacte tout vie familiale li, vie relationnelle li, vie émotionnelle li tout, parce que yo bal gade émotion yo ka gen pile réaction de colère, ou bien moun ka gen repli sur soi, ça fait nous parler de humeur. Moun nan tout, li ka impacte vie professionnel li tout, li gen pa ka travay, li gen pa ka produit encore, parce que moun gen des pensées intrusives, moun ka pe de imaginer des scénarios, li wè que y a vinn prendre, li wè a enlevé. Pour faire face à la difficulté, ça, un spécialiste a conseillé victime pour aller voir un spécialiste dans le domaine santé mentale pour conseiller une façon pour aider à faire face à l'épreuve. Sa difficulté, ça, yo. Donc, un professionnel, te ka aider, bali un espace de verbaliser souffrance li, ok? Donc, l'étape intéressante pour rencontrer un professionnel santé mentale, bien sûr, qui ka aider et face avec toute réaction de froid, réaction stress, ça, yo, que lui présenter par rapport à événement que moi dit qui potentiellement traumatise. Famille, amis ak mab nan communauté côté victime n'a évolué gen rôle pal pour yo jouer d'après madame refusé qui mandé ak poche victime nan pour porter soutien pa yo. Yo besoin soutien famille yo, yo besoin soutien communauté, yo besoin soutien moun ki nan quartier, yo besoin soutien social qui pour aider yo parce que moun sa yo besoin revivre, yo besoin réappréhender corps yo, réapproprier yo de corps sa yo te gen. Le corps qui est abattu, menacé, souillé,
tu vois, c'est l'image du corps qu'on doit retravailler, besoin réaffirmer autour pour qu'à réintégrer parce que mon ça au senti diminuer. N'a souligné même monde qui subit tentative kidnapping capable gain même problème ça yo. J'ai journée jeudi à autorité on a l'état pour que j'en poser aucune action pour freiner Zak Bandio pendant liste monde qui victime kidnapping a allongé chaque jour plus. Jean Wilner Sever, Radio Mika. Et voilà, ça c'était un petit dossier spécial avec un collaborateur nous Jean-William Sévère, côté vraiment situation kidnapping dans la qui retourne en fait et parler de lui dans la société à côté chaque jour qui passait où tendait un cas kidnapping fait, mais n'a dit et selon témoignage à pile monde plusieurs cas kidnapping yo presque fait dans l'entrée sud capitale pays hein. Et puisque là il y a un pile cas kidnapping fait et témoignage en pile et moi lien important pour que monde qui Sibis à kidnapping, peut-être qui j'ai libération après ça, soit contre en son nom et la vie, c'est l'important pour capable jouer un accompagnement. Oui. Bon côté des psychologues, bon côté des mondes qui capable aider à remonter moral, parce que chaque fois qu'on finit si bien ça comme ça, soit qu'à déjà combien ça kidnapping, il y a un gros impact hein, sous question l'esprit ou ça, l'important pour que Mounio est capable toujours et qu'a toujours gardé ça et toujours bah, Mounio accompagnement. Oui. C'est ça? Ça, c'est très important parce que. Selon un spécialiste qu'on a vu tuer tête surtout mesdames yo qui qu'on subit zak violence qu'on violé yo gain qu'on même ouais via pas utilisé ça très important pour et surtout famille autour avec société côté moun nan li a vivre très important pour nous porter support pa nous pour aider moun sa yo faire face à la situation yo té vivre. Nous apprenons que nous sommes la fois dernière nous avons information ça, gain rocade ça dans capital dans banque capital pour dire capital banque quand que qui certain ça monsieur qui était jeune était enlevé lui n'a parlé de Bernard Camo mais après n'importe environ une semaine il passé dans mes ravisseo ça blé finalement Bernard Camo les jeunes libération lui d'après information yo il passé environ une semaine dans mes ravisseo qui était enlevé dans lieu de travail dans Saint-Ville Port-au-Prince entre Rue des Miracles et Pétion, mais selon information qui confirmait que Rocade Capital McLean est libéré et pas d'information qui est disponible, est-ce que et famille lui-même l'y payé pour libération. L'important pour nous rappeler que le phénomène kidnapping, la prend j'arrête chaque jour qui passe dans la capitale haïtienne. Non? Et j'en dis déjà que un bien gagné employé au Fatma, ça qui s'est clavier, sa Bethany, que bandit kidnappé, et depuis vendredi qui était 10 septembre, non, en août, Matissant et direction générale au Fatma qui a exigé ça et qui a exigé libération et Clairvie Yusa Bethany et yo offert qu'on est là, yo condamné sa rivière et yo mandé avec autorité concernée pour prendre toute disposition pour permettre que Clairvie Yusa Bethany j'ai libération et tout le monde qui je dis à là nan men ravisse yo d'après ça a qui dit et bon côté responsable là nan au Fatma. L'autre information dans le journal là, on a parlé là de si révocation qu'a parlé là. Nous qu'a regarder ça rapidement et Jean Wilner Sever côté il est là, gain en pile parole, en pile causé et qui dit là, est-ce que ministre justice là finalement l'y révoqué, est-ce que le général est-ce que on a lui l'y révoqué, nous qu'a regarder ça. Oui, selon malgré objection conseil ministre PM Ariel Henry t'a révoqué titulaire MGSPA Philippe Vincent avec secrétaire général conseil ministériel Renal Luberis, nous connaissons ça, c'était visible. On est bois de fer qui te gante monsieur Sayo arrêté qui consacré pour sur révocation li pour qu'on imprimé j'en te dis ça en titre nous a suivre pendant journée pour nous est-ce oui. Que arrêté a sorti oui n'a suivre est-ce que pendant journée là arrêté qui est à confirmer que révocation va faire à Vincent comme ministre de la justice à la sécurité publique dans tête MJSP et puis est-ce que le général conseil ministériel Renal Luberis est-ce que exactement c'est confirmé net que arrêté à lui-même les sorti c'est pas dans toute journée hein, pour nous porter tout élément information by auditoire Radio Mega dans différentes émissions à différents journal nous yo nous pral venir avec l'aide ça côté ministère de justice en Waka Philippe Vincent écrit avec DG la police en Léon Charles pour que l'idée pour pas prendre qu'un l'ordre là hein pas prendre qu'un l'ordre dans quiconque autorité que lui-même comme ministre de tutelle.
Ministère Justice et Sécurité publique, ministère de Justice, bonne presse, 13 septembre 2021. Monsieur Léon Charles, directeur général à la police nationale d'Haïti, Nambi Oli, ministre Justice et Sécurité publique a estimé l'important pour souligner que, avec attention même pour le dire que, dans moment, et tout agent police nationale d'Haïti, quelle que soit unité spécialisée que, agence à lui-même n'y affecté, et quelle que soit personnalité avec monde que lui-même n'y détache ensemble avec lui, suivant disposition loi 29 novembre 1994 qui pour création, organisation et fonctionnement police nationale d'Haïti. Il y a notamment dans l'article 4, la police nationale d'Haïti l'irrélevé du ministère justice est placé sous autorité tutélaire ministère. Là, ça veut dire ministère justice. Ministère justice, ministre supérieur hiérarchique est direct de qui est capable de recevoir toute instruction précisée pour dissiper toute confusion au rôle. Que conseil supérieur police nationale CSPN qui disposait fondamentalement que un pouvoir consultatif sous grande orientation politique action police nationale. Article 12 qui lui-même dit tout loi qui confère habilitation CSPN reprend avec même clarté que article qui précisait déjà que la police dans l'élevé dans rang ministère justice sous question titulaire ministère justice non sécurité publique là lui-même lui instruit lui ordonné à tout officier PNH là pour ne pas exécuter aucun ordre autorité politique qui yo même t'a mandé ou ça et quelques compétences que t'a eu et encore moins que si l'ordre là lui-même t'a entaché avec ça l'illégalité responsabilité personnelle et pénale tout contrevenant à engager mais policier ça lui-même qui décidait t'a prendre l'ordre et abgédé sanction administrative pénal cap tombé contre un bien policier ça bien qui quelque chose dans unité capable ministre justice et sécurité publique là qui lui-même lui voyait ça bail GAIA pour renforcer immédiatement sécurité personnelle. Il m'a dit que pour renforcer sécurité personnelle, commissaire gouvernement de Port-au-Prince, prêtre de la première instance Port-au-Prince, qui c'est M. Bedford Claude, en raison ensemble de menaces importantes et qui choquant, qui inquiétaient, eh bien, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Bedford Claude, eh bien, qui fait objet depuis 5 jours là, menace que ensemble de monde a menacé commissaire gouvernement Port-au-Prince. Ce point ça, ministre justice, on voit qu'il avait ça, mandé avec DGA et la police. Pour le capable de renforcer la sécurité, mais commissaire gouvernement, M. Bedford Claude. Dans la tête, une mise en application usante, présente, mais renouvelée, ce n'est pas le ministre de justice, avec ou même directeur général et la police, assurance, considération patriotique, ça veut dire, pour mettre en application ça que vous avez dit là, d'abord, pour ne pas prendre l'ordre dans les autres politiques, dans les autorités politiques comme ça, et si vous prenez l'ordre, eh bien, il y a des sanctions administratives et même pénales. Cap tombé sous yo. Et demandé dans l'état, tout l'élément important dans l'état, demandé pour renforcer sécurité, commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui s'est met Bedford Claude, parce que depuis 5 jours là, il fait qu'on est, mais commissaire là lui-même, la presse y voit, yo ensemble, menace. N'a poursuivi avec information, yo, malgré critique à poursuivre sur réseau social, le réseau national cap défendre mon yo ferme sous position yo. Premier ministre Ariel a été parlé avec Joseph Félix Badiou après y avoir assassinat Jovenel Moïse. J'ai été révélé le rapport à Pierre Espérance qui fait l'autre révélation sous implication Badiou dans le crime ça critiqué ancien membre opposition yo cap attaqué le sous dossier ça. Suivi un reportage avec Jean-Philippe Massé. Et nous mettons mon en défi pour dire que nous n'avons pas de parler. C'est nous avons information. Nous prenons, nous avons information, nous baillons. Donc, nous n'avons pas dit nous pas dit qu'Ariel est impliqué dans l'assassinat. Mais on t'a parlé. Pierre Espérance, qui persuadé Premier ministre Ariel Henry, t'a parlé avec Joseph Félix Badiou avant et après crime. Non. D'ailleurs, c'est un dossier qui trouvé en rapport direction centrale. Police judiciaire. Nous te prenons tout rapport audition JDPTF. Nous rencontrons des CPJ. Nous rencontrons tout le monde qui dans prison dans cadre assassinat ça. Donc ça veut dire que information nous y a dans rapport la police judiciaire. Et jusqu'à présent, Joseph Félix Badiou était coordonnateur criminel. Il était même rentré car Jovenel Moïse quelques minutes après assassinat pour te aller document avec l'agent d'après une autre révélation. RNDDH. Après Jovenel, yo fin assassiné Jovenel. Pendant Martin Moïse dans Kaila, Badiou entre dans Kaila, li a fouillé chambre Jovenel, li prend document, li prend l'argent. Et il clair que avec moun qui t'a parlé à Badiou, de qui ça parle, t'a parlé d'assassinat pour nous-mêmes. Défenseur de Amoun nan dit pas comprendre, même moun sa yo qui t'a fait pression pour la justice tandé Martin Moïse, alors que yo refusé même justice ça
tande Ariel Henry. Nous avons des monde qui vexé parce que yo en bas avant premier ministre yo pensé qu'a mettre babouquette dans bouche non parce que nous dit premier ministre dans rapport. Mais dans rapport la police judiciaire même gens yo t'a dénoncé pour la justice tande Martine Moïse parce que Martine Moïse s'est mettre photo et mettre des mon fille Edouard dehors. Donc yo mandé pour la justice tande Martine Moïse mais yo pas d'accord sur mon fille Edouard, yo pas d'accord pour la justice tande Ariel Henry. C'était pratiquement un gros campagne qui te mené contre ancien premier dame dans le dossier d'Oval là, Pierre Espérance Square, même acte ça yo, te ka continuer à encourager PM nan collaborer avec la justice. Donc où est quantité campagne qui fait contre Martine Moïse parce que Martine Moïse s'est metté prend photo à l'hypothé by Maril alors que nous seulement dit non rapport on information qui non rapport de CPJ nous dit Ariel t'es parlé avec et Badjo seulement ça. Critique en pile surtout sur réseaux sociaux yo contre RNDDH qui révélait information ça. Défense droit moun nan semblé ouais qui côté critique ça yo a sorti et décider répondre si là yo qui prend plaisir attaquer. Nous pas paix, nous pas jambe paix et nous pas quitter aucun monde. Journée aujourd'hui qui aille là. Yo te dit yo t'a combattre Jovenel, yo t'a combattre PHTK dans intérêt population et journée aujourd'hui il a fait alliance avec PHTK, yo connait ramet babouquette dans bouchon, nous pas prendre babouquette. Lisier avocat parler de illégalité des marches commissaire gouvernement. Est-ce que le premier ministre a dû répondre à l'invitation paquet à? M'pas connaît ça le doit faire. M'pas connaît. Commissaire gouvernement a reçu mon dossier dans le cabinet de décision qu'elle voulait dans le cabinet de décision. M'pas connaît. Ariel chargé avocat. Il chargé mon pour défendre. Donc, et mon yon cap défendre. Mais nous toujours dit que c'est Ariel, quel que soit mon nom, faut que nous respecter comme yon. Si commissaire, mon dossier dans le cabinet de décision, commissaire gouvernement pas dit l'autre bail pour le faire qu'elle voulait dans le cabinet de décision. En tout cas, rapport RNDDH là, pas dit premier ministre là impliqué dans l'assassinat. Rete seulement pour chef gouvernement. Prouver innocence li. En attendant, RNDDH a continué fait travail li sans force côté. C'est Ariel qui vient pour leur expliquer ça. Bon, comme on a des prévisions, des facteurs qui ont des talents menés, monde qui dit qu'il a défendu le principe, je ne veux dire qu'il a mis en face RNDDH, il pense que il a intimidé nous. Nous ne pouvons pas prendre intimidation. Et n'a bataille et jusqu'au bout. Donc nous-mêmes, nous pas moun k'ap changer position tant que moun k'ap changer radio nous. Nous pour côté population n'a continuer bataille. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Voilà, merci en pile avec un collaborateur nous Jean-Philippe Masséan. Dans même dossier ça nous songe que là c'est jeudi mardi 14 là que et commissaire gouvernement Port-au-Prince Mbeffort Claude a été écrit été invité hein PM Ariel Henry pour être capable font t'y parler avec lui sur question information qui fait quoi qu'il t'y parler avec Joseph Félix Badiou dans téléphone pendant deux fois dans même date 7 juillet. Ah, bon, donc on est question révocation capable la commissaire là, ça lui dit est-ce que question ça, les est toujours possible. Mais n'apprends tout hier que gagnant Dimitri Erard, chef, alors, si un responsable HGPN, non, t'es devant carré juge Gary Aurélien, mais le pas qui vétend des messieurs à cause, information fait que monsieur pas accompagné avec avocat devant juge trop tard. Oui, c'est ça qui, comme information dans quatre dossiers, si là, que nous t'as pouté élément additionnel. Nous avons toujours été dans la question assassinat, c'est le président Jovenel Moïse, dans le monde, t'as demandé côté tout ça, et est-ce que le patron dans le pays, laisse ça, je pas dit que notre partant d'elle, c'est Rosemont Jean. Donc, on est ces militants vraiment zélés et fidèles avec l'ancien président Jovenel Moïse. Rosemont Jean qui sortit dans cette dynastie, qui dit en pile parole. 10 Front National Résistance pour Haïti, Stabat Démocratique. Là, Rosemont Jean dit la psychopathie démarche à paquet Port-au-Prince qui invitait le Premier ministre Ariel Henry venir répondre à une question de la justice. D'après militants politiques, tête carrée à gain assez indice qui justifiait PM Nantes est impliqué dans la planification et la mort Jovenel Moïse, non. L'autre côté, Rosemont Jean fait qu'on est tout le monde qui signe à quoi que chef gouvernement participer dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Les anciens ont appelé tout Jovenelissio pour lever campé pour permettre à ce chef d'État jeune justice. L'autre côté, Rosemont Jean, dans le micro, José Belamour. Tout le monde qui signe à quoi avec Ariel Henry, soit yo c'est auteur, co-auteur, complice d'assassinat Jovenel Moïse. Ce sont des assassins. Moun ki siye akop avec Ariel Henry, li vin cautionner, li vin faire solidarité avec Ariel Henry dans l'assassinat Jovenel Moïse, ça veut dire de près ou de loin, ce sont des assassins qui te planifié et cautionné assassinat Jovenel Moïse. De ce fait, le fait que le parquet décide pour tendre, pour demander monsieur Ariel Henry pour ta rendre nous visite pour regarder et distacté dit dans appel téléphonique là. Premier aspect, nous ne pouvons pas connaître qui ça a été dit.
Mais ça qui est important, le fait qu'Ariel te dit pas de parler à Badjo, et puis Pide va ouvrir le jeune, il te parle, ça veut dire qu'on bagaille. Si avant assassinat, il te parle, après assassinat, il dit le travail a accompli. Si pour l'Ariel t'installer lundi 5 juillet, il n'est pas d'accord pour installer dans lundi 5 juillet, il est d'accord c'est pour l'installer mercredi, ça veut dire quelque part où tu as bagaille planifié. Peut-être ça, nous-mêmes nous supporter deux marches que la justice a fait. Nous ne pouvons pas demander pour le démissionner. Nous prenons le travail à travers tout le pays et nous lançons une mobilisation. Ça. Les jovenelistes, à travers tout le pays, ils ont un mode de mobilisation et de bataille. Les gens qui réunissent avec Ariel Henry, qui planifient leur mort, qui planifient comment puis assassiner les gens, qui planifient comment puis faire nous mal, puis bouler quand nous n'ajoutons qu'à venir. C'est bataille là bien. Nous voulons nèg qui a le vent tête pour l'aide bon goût, pour diri bon goût, pour spaghetti bon goût, pour macaroni bon goût, pour sardine bon goût. À partir de aujourd'hui, nous allons mettre pied nous à tête pour nous capables de supporter toute initiative qui prend pour permettre Jovenel Moïse ou NG6 et prochain président de la pays pour Oligatio, pour Dimitri Vob, pour Reginald Boulos, pour tout l'autre qui t'a servi de bras armés pour Reginald Boulos, qui t'a servi de bras armés pour Dimitri Vob, qui t'a servi de bras armés pour tout reste, pour y connaître. Nous t'es tout Jovenel, c'est vrai, mais nous t'es une réponse que nous n'avons pas imaginé. Au d'un côté intervention Rosemont Jean, nous a poursuivre avec même dossier ça. Le protecteur citoyen René Douville exige démission pour le ministre Ariel Henry immédiate puisque il y a un pile relevé appel téléphonique compagnie judiciaire trouvé PM n'a été avec Joseph Félix Badjo, une autre assassinat président Jovenel Moïse dans date qui était 7 juillet passé à Mette Deauville fait connaître d'après droit pénal haïtien et international Ariel pas l'autre choix c'est retirer colline tête primatia pour protecteur citoyen Ariel Henry considéré comme un suspect dans le cadre de dossier l'assassinat ancien chef d'État payant Jovenel Moïse en côté René Deauville pour plus de détails dans le micro Blaise Peterson. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, Office Protection Citoyenne, institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, nous voulons dire par rapport à dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse, que au regard du droit pénal haïtien, au regard du droit pénal international, au regard des principes généraux en droit international des droits de l'homme, depuis le 10 septembre 2021, suite à confirmation relevée téléphonique qui démontrait que le Premier ministre Dr. Ariel Henry et M. Félix Badjo, yon a présumé la police a cherché depuis un certain temps, et bien deux moun sa ote en conversation téléphonique, et dans toute conversation téléphonique yote genyen, yote gen yon qui te fait à 4h03 dans matin date 7 juillet, et yote gen l'autre yote fait à 4h20. Même jour assassinat. Et information qui gagne, qui est disponible, révèle que Premier ministre dans un moment ça, il était Montana et ce fameux Félix Badjo, il était encore sur les lieux du crime. Donc au regard du principe droit pénal national et international, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous considérons le Premier ministre Ariel Henry comme étant un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et peut-être il deviendra un inculpé ou bien un accusé dans le plein sens du mot. Protecteur citoyen René Deauville lancé un appel à la communauté internationale, là, l'église catholique protestant, classe politique, la population haïtienne, là, pour pas supporter Ariel Henry dans une série d'engagements, les commencer à prendre dans nos nations, puisque les considérer jeudi comme un monde qui t'a gagné à les tremper dans l'amour, c'est président Jovenel Moïse. Maître Deauville, mandé chef primatier Ariel Henry, mettez-les disponibles pour la justice, parce que tout le monde le connaît, dans qui niveau les impliqué dans l'assassinat chef l'État. En écoutez René Deauville, toujours dans le micro, Radio Méga.